Even stock count. On a déjà une stock partie de chaque bord. Pas mal moins explosif que les match-ups entre Julexi et Steo. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de stocks qui partent beaucoup plus vite? J'attribuerais ça au fait que Quimporte est plus patient, mais avec moi sur le commentary, il y a Lusk qui se joint. Le grand duo de commentary de Kevin. Ben oui, les deux meilleurs commentary, ouais. Probablement parce qu'on est tous les deux tout le temps out avant les grands matchs. Quand même à Cheminot et Big Fish qui font du bon commentary aussi. Oui, très vrai. Donc, qu'importe, il y a un stock lead en ce moment. On a peut-être The Great Return of the Julexi Slayer. Don't spoil it, don't spoil it. J'en parlais avec Julexi juste avant, il disait ma bouche est scellée. C'est bon. Ma bouche est scellée. Je peux chialer sur le Sheik Mart matchup. Sinon, si on veut pas rien spoil, mais. T'as-tu gagné? Non, j'ai perdu 2-1. Ça me fait tellement chier à quel point le matchup c'est high execution pour Sheik pour battre genre. Non. Tu te comptes, non. Mais. Oh mon dieu, 3 stocks de qu'importe, on l'a même pas vu passer, hein. Mais je tiens à dire. Sheik win, for sure. Sheik win. Sheik win. Le punish game est simple. Mais c'est parce que faut que tu down throw, short up, a pair, auto cancel out of, Down throw. Le plus important, c'est savoir crouch cancel. Oui, mais c'est parce que le timing, faut que tu crouch cancel le down throw. Puis après ça, que tu dash out of crouch cancel pour aller chercher le grave. C'est ça que je veux dire, c'est tellement high execution pour battre des lazy mart ideas. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui me tire de ce match-up-là. Je sais que c'est winning. C'est juste que c'est high effort pour battre un Marth qui est low effort. Psst, moi, y'a rien qui me trigger plus que ça. Du low effort, que genre ça prend tellement de travail à battre, là. Fait que dans le fond, tu détestes jouer contre Fox. Oui, puisque c'est high effort en ST dans le show Tech Chase pendant genre 45 minutes. T'as vu ça, Fox? Oh, wait, shine up to a bear! Ouais. Ou juste en votant en dehors de la zone, tu vas shiner. Ben c'est ça qui se passe en ce moment entre Quimporte et Julexi là. C'est Quimporte qui fait des beaux games, des beaux petits combos, ouais, mais tu sais, il faut profiter du fait que Captain Falcon a vraiment une recovery assez limitée. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu choisis ton personnage, si tous ses défauts sont pas cachés, t'es connu. Ouais, mais en tout cas, mon problème, un petit fantôme, mon problème dans le matchup Mart Sheik, c'est pas Sheik, c'est Mart. Ouais. Sheik est parfaite là, c'est juste que n'importe quel perso pour battre les idées paresseuses de Mart doit tellement contourner un mur d'exécution. Imagine si elle avait un bon dash dance en plus. Si elle avait un bon dash dance, ça serait le fun. Je pourrais continuer à jouer. Je pourrais dash dance pour mitiger le fait que je suis pas capable de bien crouch cancel. En fait, ce qu'il faut que je pratique aussi, c'est juste run-in avec ASDI down là. Ouais, ça va battre tellement de trucs stupides. Oui, ça me prend ma box pour ça. Mais bon, on va retourner à une belle game parce que quand même, 3 stacks, 3 stacks. Ouais, je pense que Pitch veut un new PR parce que moi personnellement, j'aime pas la palette de couleurs. Moi, je l'adore. Shootout a fait l'erreur. Mais c'est que ça fait très plage comme quoi, comme ça de plage. C'est très summer. C'était en référence au jeu de Roller Jet Set Radio. Ah, d'accord. Le fait que tout le monde connaisse ce jeu-là, c'est sûr que ça veut dire que c'est bon, hein? Tu connais pas ça? Non, je le connais, t'inquiète pas. Ouh! Julexi qui maintient un stock lead pour la première fois du set au grand complet. Ouais, non, qu'importe, laisse-moi pas se vivre, on t'en fait moins confiance dans 3. Bon, je juge. 1. Sur ce wake-up-là, fuck! Il est dans la merde! Oh oui, il se fait chic en ce moment-là. C'est-tu Wizrobe? Ouais, c'est le Wizrobe en Julexi qui se fait channel. Oh non, up to grave. Oh, il a essayé d'aller pour le hard read, mais c'était pas le moment. Oh non! Oh, en plus, on parlait des gentlemen. Oh non. Il y a beaucoup de Falcon qui, je pense, qui appuient sur L durant leur gentleman pour aucune raison. Non, ben c'est pour s'aider à ce time. Pour de vrai, tu fais quoi? Genre, tu fais pack à pack? T'es quoi dans le genre? T'es ta petite mélodie dans ta taille. Tu vas même, mettons, pour faire des lasers avec Falco selon la hauteur, tu peux te donner un petit rythme mental. Des petits DQ. Au wobble. Je tiens à dire que Julexi en ce moment look très solide. C'est comme qu'importe l'autre game. C'est un reverse situation. Qu'importe. Laisse-toi pas 3 stocks là. Et voilà, qu'importe spécial. Ouais, whiff punish up smash. Là-dessus, c'était un anti-air. Non, c'était un whiff punish. Il a fait whiff lariat, puis après il l'a punish au landing. C'est pas un anti-air. Anti-air, c'est quand tu challenges la personne pendant qu'elle est dans les airs. Tu m'en diras des nouvelles quand tu joueras Street Fighter, ok? Non, je te niais. C'est un anti-air à la melee. D'accord. Mais ça me fait encore un petit peu l'air. Mais c'était juste.
Oh, il y a du monde qui a spread le Miss Knowledge Trigger Press, en effet. Oh, oh, unpunished gentleman, Omega Lil. Pepe Laugh never punished. Oh my god. Oh non, EVO 2017, ça recommence. Tout le monde ratait la wave dash dans la badge dash dans le. Ah, y'a pas UCF, mais ça. Y'a pas UCF, je pense, à ce temps-là. Mais il mettait juste à la fin du top 8. C'est que c'est le début du top 8, je sais plus. Mais ouais, ben, je rappelle que Evo a toujours une très mauvaise relation avec Smash. Ouais. Parce que le gars qui s'est ramassé en tôle, je pense. Ouais, probablement. Ouais, ben, il détestait vraiment Smash. Fait que lui, c'était des best of 3 jusqu'au top 8. Puis UCF, c'était pas question. Même avec la version stealth. La version stealth? Ouais, c'est là où est-ce que ça paraît pas UCF au top. Ah, pour éviter les petits méchants Nintendo. Ouais, les ninjas Nintendo. T'as-tu pas le droit d'utiliser Sleepy aussi? Probablement pas. Ben, pendant un bout, t'en as pas le droit. Ben, pendant un bout, les majors avaient enlevé Sleepy. Mon quand, avant le shit show de Nintendo avec BGBC et tout. Smash pour ah le oui, là, c'est là. Vrai. Pendant, on avait vraiment décidé, on utilise plus Sleepy. Puis après ça, il y a eu le shit show, puis on a fait. Mais nous autres, on n'utilisait plus Sleepy. J'avais moi qui parle qu'on s'est dit on enlève Sleepy, mais on prendra pas de chance. Mais pourquoi? Parce qu'on se ferait DMCA par Nintendo, non, tu c'est penses? Pas vrai, on a regardé Sleepy. Ben oui. C'est juste les majors qui l'avaient enlevé. Sleepy, c'est Goated. Pas aussi Goated que le Fox de K-Pop, mais oh! Ah, oups, on bouge pas assez. C'est dans une belle ambiance. On est juste une 4. Ok, quelqu'un d'autre qui pourrait aller ouvrir la lumière éventuellement. Ouais, mais les deux autres joueurs sont trop concentrés. Ah, c'est vrai, ils sont en Grand Finals d'amateur. Ça aurait été moi si c'était pas du fait que fuck le fucking Marchik matchup. Peut-être que Budget aurait pas été dans l'option que j'avais. Boom! Alors, one stock lead pour Julexi qui continue d'avancer. Oh, le fantôme encore! On est les rois du spacing! Dentro. Wizrobe. Wizrobe. Ah! Je sais pas si là ça aurait été le temps de faire un drop zone. C'est budget contre lui. Oh, ça c'est une super belle utilisation des active frames up tilt. Budget. C'est ce qui est chou, man. J'en reviens pas. Pour vrai, tu sais, la première partie, tu dis, hey, c'est-tu le set pour qu'importe? Puis après ça, Julexi se rappelle, ah, j'ai oublié de brancher ma manette. Julexi fait, ah, mes lunettes étaient embrouillées, je voyais pas l'écran, désolé. Oh, le jab. Oh. Julexi fait juste schmoove, essayer d'aller chercher un read sur du mouvement. Shield grab qui oui. Non, il a raté le wave dash là-dessus, il voulait wave dash en Smash. Qu'importe, tu commences à wave shine ces derniers temps, je pense que ça fait du bien à son Fox. Pas de drop zone encore. Ah, oh, mais on a même pas de buzz. Ouais. On va. Oh non, qu'importe comeback possible, qu'importe comeback possible. Ah, oh, ça va être difficile. Oh, Julexi qui grab pas le lead. Ouais, oh, mais c'est parce que ça amuse. Ça amuse. Moi, je pense que Julexi, il aura plus place à l'amusement bientôt quand il va perdre ce set-là. Je lâche le talk parce que je sais qu'il va regarder le set et il va venir me dire la semaine prochaine « Hey, Météo, t'as dit ça, là, c'était fucked up, c'était fucked up! » C'est quand même un intense que il revient chez eux et il regarde les votes. Je sais pas s'il regarde les votes direct en rentrant tout le temps. Oui! Mais je lui ai dit « C'est pas simple. » Puis il a dit « Je le sais. » Ben, pauvre. Quelqu'un a envoyé cet homme se coucher, s'il vous plaît. Peut-être qu'il ne fait plus à ce temps qu'il travaille le lendemain. Ah, ouais. Mais bon, on va aller ouvrir la lumière. Oh boy, il y a absolument plus de lumière quand la game se termine. Fait qu'en plus d'avoir les Phantom Hit, là, on a deux joueurs fantômes. Et ouais, la lumière. Tamisé ou pas tamisé? Pas tamisé. Oh, Ronnie! Pas un bon lien! Ça commence assez rough sur Yoshi Story pour qu'importe. Pas juste Julexi a regardé là pis s'est dit, hey, faudrait que j'aille me coucher. Fait qu'importe, t'as quand même fait sur Yoshi. Ouais, pis t'as un Shy Guy qui s'est mangé une folie. Il s'est fait lancer un renard pis s'est ramassé avec un stomp d'en face. Eh oui, pis c'était joueur. Déjà un stock lead pour Julexi qui menace de fermer le weekly sur cette game là. Les T.O. pis ils gagnent. Hey, j'en reviens pas, man. Y'a pas le droit, c'est fucked up. Pour ça, moi, que je fais juste top 8 max. Ben, genre top 7. Je me rends pas compte. Sinon, max fiction. Oh! Beau daft! Wow! C'est rare qu'on voit ça. Pis c'est là que tu vois la distinction de vraiment les joueurs expérimentés. Je tiens à dire qu'on a pas répondu à la pitch sur la Grand Final de la. Non, moi, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, parfait. Ouais.
T'aurais dû dire mon nom, ça m'aurait rendu heureux. Oh, le Whiz Rope. Oh, le Wall Jump de Kimpos. Allez pour le ledge, tu faisais peut-être Spike. Mais il se serait fait le météore, mais il y aurait eu le temps, mais ça a été tant que Window. On est quand même sur Yoshi Story. Le punish game de Julex est toujours au rendez-vous. Up throw. Up throw. Il cherche le up throw knee, mais qu'importe, lui donne pas. Beau BI. Oh, ça aurait pu commencer quelque chose de huge, ça, avec un petit up tilt en arrière, là. Je sais pas ce qui importe parce que Shine out of Shield, ça l'aiderait dans ces situations-là où il est de dos, genre. C'est sûr que oui. Mais tu sais, c'est tight avec Fox quand même. Surtout qu'avec le C-Stick, ça chie tout ton timing. Fait que t'as pas le choix d'y aller avec ton bouton de saut qui est soit X ou Y. Ouais, mais c'est ça comme si Falco lui pouvait réagir à son jump squat. Falco, c'est plus facile avec le C-Stick. Ben, un peu, mais c'est parce que c'est 7 frames de jump squat. Tu peux pas réagir à 7 frames. Non, il y a 5 frames. 5 frames, tu peux pas réagir à 5 frames. Oublie ça. Ouais, non, mais c'est que t'as comme plus. T'as moins de comme. C'est plus genre. Ouais, guess so. Faut quand même que tu prédises le timing. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu pourrais être une personne qui mène pas mal les deux. Avec Fox, je trouve ça vraiment tough à sortir. Non, t'es, ton opinion est pas valide. Ouais. Non, je suis désolé. Moi, je vais te couper. Moi je te dis, c'est un hit confirm que qu'importe là, pis c'est un lead. C'est pas un gros lead, mais c'est un lead. Ah, ben oui. Ça, c'est il a fait deux fois la même chose, Julexi a fait, you know what, tu referas pas, run, shield, jump back, c'est pas vrai. Pis il est allé punir le jump back. C'est comme un moment donné, je jouais contre Fou, juste de même, pis je fais quoi de cool avec Shield sur mes plateformes, pis ça le hit, fait, ah, oh, c'est bien ça. J'aurais essayé la même chose, fait, ah, oh, tu m'auras pas deux fois. La capacité d'adaptation des top players est phénoménale, pis c'est ça qui fait que c'est des top players. Tu sais, ils font pas juste jouer sur le mode automatique, ils analysent qu'est-ce que tu fais là. Ah ouais, ça rentre dans leur. Ça rentre dans leur mental stack. C'est ça. Oh, moi j'aurais été avec APR, mais je sais pas qu'importe. Qu'importe, c'est plus que moi. Qu'importe, et voilà. Je pense qu'ils trippent pas toujours sur les APR pour finir le stock parce qu'ils aiment pas ça se faire SDI. Ouais, qu'importe déteste se faire SDI. Tu vois, il va plus faire up throw back air contre Shake Hollow Person. Surtout sur Puff, Shake aussi. Oh boy, on a du gros neutral, mais ça va se finir sur un. Y'a-t-il quoi de mieux que finir une Grand Finals avec Falcon sur un stomp? Nee. En plus, il avait dit c'est serviré tout, il a pris une gorgée de café, il a checké là, il a checké voir si ses affaires en bourse étaient correctes, puis il a sorti le nez. C'est qui est arrivé premier? C'est Plop. Une chic? Oh! Une chic move? Ah, une chic, une chic! Ben, joue-tu encore chic move ou il a changé? Je sais pas, moi je dis que je vais jouer contre Julexi on stream pour lui montrer que Plop est premier. Live, ma chic va battre Julexi. Ouais, non, je pense qu'il veut fermer le non, non, je suis pas compliqué. Je Sammy stall, il se rapproche. Waveland, back throw, gimp. Je fais ça 4 fois. Peut-être ça faire avoir une fois au début, puis après ça va. Ouais. Mais c'est on ça que vient je... de parler de capacité d'adaptation des mais meilleurs joueurs. Ça, c'est un truc qui me fait. Je me demande souvent dans ma tête, qu'est-ce qui arrive si je commence à juste Sammy stall, back throw le monde? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? On va continuer à te permettre de venir au clé, mais on te parlera pas. Ouais, le monde, ça ferait tilter. Genre, admettons, du monde comme Holy Pipe, ça les ferait tellement tilter. Moi, je ferais juste à regarder faire. Tu m'énerves. Je prendrais fois que je l'essayerais de te Shine Spike 4 fois. Je le trouverais très drôle. Ça serait le set le plus rapide entre nous deux parce que ça serait juste. Ok, tu vas faire ça, moi je vais faire ça. Qui gagne? Ok, d'accord. Là, tu reviens, ça fait back to game. Ok, d'accord. Puis là, à mon avis, je Shine Spike, je me dis, oh, ça marche. Oh, y'a quelque chose, y'a quelque chose. Puis là, tu réessayes de te faire Shine Spike. Non, tu le fais pendant que je suis invincible, je reviens avec Nerd, tu te fais Kim. Ok, d'accord. Pourquoi je suis No Star, man? C'est la solution. Mais bon, là-dessus, je laisse faire le mot de la fin. Ben, merci de nous avoir rejoints pour ce merveilleux 246e Weekly de l'Université Laval, triomphé par Julexi le triomphant, qui n'a pas été slay aujourd'hui. Et là-dessus, j'aimerais vous souhaiter une excellente fin de soirée.